Je voudrais tout d'abord remercier la Casa Velázquez de m'avoir invité, et puis aussi notre ami Alfonso Pérez Agoté, et puis Michel Wieworka aussi. Vraiment, je suis très, très heureux et honoré d'être là. Le titre de ma communication est le suivant, « Les métamorphoses de la représentation politique », et je l'ai sous-titré « Un processus de profanation ». Alors, le monde occidental a connu sur le terrain du politique une grande transformation avec l'entrée dans les temps modernes. Jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, le pouvoir s'inscrit dans la continuité de la juridiction de Dieu. Issu d'une désignation providentielle, le prince se donne pour mission, en association avec l'Église, de conduire les hommes selon la loi morale. La grande métaphore du temps est celle que décrit fort bien Michel Foucault, c'est la métaphore pastorale. Le prince, fontaine de paix et de justice, est le berger qui conduit le troupeau sur le chemin de Dieu, sur le chemin de la vertu, sur le chemin du bien. Le tournant moderne, qui trouve son point majeur d'aboutissement dans la Révolution française, introduit une tout autre configuration. Le pouvoir, hier, venait d'en haut. Il trouve désormais son principe dans le peuple seul, dont il aura à charge de traduire les volontés dans le droit. Au régime de l'incarnation, comme le dit Claude Lefort, où le pouvoir, au-delà de sa texture historique, se présente sous le concept d'une instance mystique, faisant le lien avec l'éternel, se substitue le régime de la représentation. Le régime de la représentation qui place le prince au service simplement des attentes de la population qu'il dirige. Comment donner forme à cet idéal de la représentation? Giorgio Agamben dessinait récemment deux modèles possibles. Le premier, dit le juriste italien, s'exprime sous la formule de la sécularisation. Dans ce modèle, on attache encore le monde présent, le monde moderne, au monde ancien. Le pouvoir politique se transforme certes, dans ses finalités, en se défaisant de son lien traditionnel à la loi divine. Demeure cependant, dans ce système de la sécularisation, les structures de la période antérieure. On maintient en l'état, en particulier, la distribution inégalitaire du pouvoir. Le régime représentatif, tout en s'établissant en dehors du cercle de la loi divine, pérennise l'opposition du clerc, qui détient le pouvoir de décider, et du profane, qui, après la chiquenaude électorale, se trouve placé, en fait, dans la posture de l'assujettissement. Le régime de la sécularisation, pour Agamben, c'est donc un régime qui transforme les finalités du pouvoir, la loi de Dieu s'efface, mais où se maintient la hiérarchie des positions. S'oppose à ce système de sécularisation ce qu'il appelle le schéma de la profanation. Dans les termes du légiste romain Trebatius, Giorgio Agamben précise que ce moment voit ce qui était sacré ou religieux se trouver restitué à l'usage ou à la propriété des hommes. Au fond, le moment de la profanation s'emploie à abolir la distance que maintient le moment de la sécularisation entre le dirigeant et le dirigé. Il y a encore dans le système de la profanation des gouvernants qui occupent la sphère du pouvoir, mais ces gouvernants doivent négocier avec la présence de plus en plus affirmée de leurs mandants dans le cercle même de la décision. Le schéma idéal typique de Giorgio Agamben permet de donner cohérence, me semble-t-il, à l'histoire de la représentation politique dans la société française. Selon le modelage de notre culture propre, de notre culture française, la société politique hexagonale a, depuis son entrée dans la modernité, expérimenté les deux modèles décrits par l'historien juriste italien. Un premier moment que je vous décrirai, qui court en gros du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, affirme une continuité. Sans doute le politique est-il porté désormais par une philosophie de la subjectivité, par une philosophie atomistique. Il reste que la révolution ne se déploie pas jusqu'à l'extrême de ses possibilités.
alors même qu'ils affirment l'équivalence des êtres, l'égalité des citoyens, les révolutionnaires, qui promeuvent le nouveau système des choses, comme inquiets de leur propre audace, font tout pour en conjurer les effets anomiques. Discours, règles, pratiques se coalisent pour exaucer les représentants au-dessus du peuple qu'ils dirigent. C'est le premier moment où se maintient, moment de la sécularisation, la hiérarchie entre le gouvernant et le gouverné. Et puis, un second moment dont on repère les prémices dès la fin du XIXe siècle indique une rupture. À la faveur de l'institution du suffrage universel et plus globalement de l'accélération de la dynamique égalitaire, le dispositif de gouvernementalité se défait, au moins tendanciellement, de son inclination oligarchique. La représentation se démocratise, on voit se réduire la distance entre le mandataire et le mandant. C'est donc autour de ces deux points que je voudrais, si vous le voulez bien, organiser cet exposé en montrant comment, jusqu'au début du XXe siècle, résiste le principe de hiérarchie et comment, à partir du début du XXe siècle et selon une logique sans cesse accélérée, s'affirme désormais le principe de similitude, le principe d'identité entre le gouvernant et le gouverné. Premier point donc, la résistance du principe de hiérarchie, ce qui correspond à ce qu'Agamben appelle le moment de la sécularisation. Alors la première étape de la modernité politique nous confronte à une transformation bien plus qu'à une abolition du régime traditionnel de gouvernement des hommes. On n'en est plus, bien sûr, au moment aristocratique de l'histoire occidentale, qui voyait dans la hiérarchie des statuts un effet de la volonté de Dieu. Pour autant, on n'adhère pas encore à l'idée de pouvoir partager. L'effacement des hiérarchies sacrales s'accompagne alors, comme le notait André Siegfried dans son tableau politique de la France de l'Ouest, de la ratification ou de la consécration des autorités sociales. Deux points permettent d'aborder la question. Tout d'abord, l'effacement des supériorités sacrales, et puis ensuite, la ratification ou la consécration des autorités sociales, suivant un processus qui court, je le répète, jusqu'au début du XXe siècle. Alors, faisons retour d'abord pour comprendre la révolution moderne à l'âge chrétien des choses. Les miroirs des princes pensent alors l'autorité politique sous le concept du père. La relation politique mime la relation familiale. La royauté, comme le dit l'auteur anglais Filmer, est un patriarcat où le prince, engendré par Dieu, engendre à son tour ses sujets. La relation est ici toute de verticalité descendante. On le voit d'abord au niveau de la généalogie du pouvoir. Les théologiens et les juristes ne cessent de rappeler que le prince ne procède pas de la décision des hommes, mais que c'est de Dieu qu'il tient son autorité. Le peuple, ici, ne dispose au fond que d'une faculté d'acclamation, nullement d'une puissance d'institution. Dans ce modèle, jamais le roi n'affirme sa ressemblance avec ceux qu'il dirige. Il les rejoint simplement par un effet de sa générosité, ce que les Grecs appelaient la synkatabasis, qui n'est au fond qu'une forme de condescendance où s'exprime, quoique dans la caritas, l'asymétrie de la relation politique. À cette généalogie du pouvoir correspond une téléologie du pouvoir. Le prince n'est jamais, dans ce modèle, à lui-même son propre principe. Venu de Dieu, il doit admettre sa dépendance à son endroit. Et même au temps de la monarchie absolue, Bossuet, le grand légiste de Louis XIV, ne cessera de rappeler que le monarque doit toujours se soumettre, sauf à n'être plus légitime, à la loi de raison émanée du Créateur même. Alors on voit bien que l'âge moderne modifie totalement cette architecture du sens. L'âge moderne impose une désubstantialisation de l'acteur politique. Et on le voit très clairement à partir des 17e, 18e et bien davantage encore au moment de la Révolution française, la fonction politique, comme le dit Durkheim, s'affranchit de la fonction religieuse et prend un caractère temporel de plus en plus accusé. J'aime assez ce mot de Carl Schmitt dans son ouvrage sur Hobbes lorsqu'il nous dit qu'avec l'âge moderne,
le prince devient une personne artificielle, un automate forgé par les hommes, le premier produit d'une époque technique. Alors l'invention de ce nouveau modèle, ce prince comme personne artificielle, invention d'une époque technique, s'appuie sur un double processus. D'une part, on délie alors le pouvoir de la loi de Dieu, ce que les auteurs républicains introduisent avec Machiavel au premier chef, lorsqu'il estime que le prince ne doit plus s'appuyer sur la vertu des anciens, sur cette vertu des anciens qui attachait le prince à l'ordre naturel des choses, mais désormais simplement à la virtu, cette virtuosité qui, sans souci d'une morale préalable, permet à celui qui nous dirige d'affronter librement, sans morale préalable, les turbulences de l'histoire. Premier élément, donc, délier le pouvoir de la loi de Dieu. Et puis, deuxième élément, si important, subordonner le prince à la volonté du peuple. La philosophie du contrat social fournit le cadre théorique de ce rapatriement du pouvoir sous tutelle du collectif humain. Hobbes déjà le déclare dans le Léviathan, Rex est populus. Le roi, c'est le peuple, c'est les rois, sur le fondement d'une relation de symétrie entre les deux instances de pouvoir. Et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en 1789, en introduira le principe dans la sphère même de la règle juridique. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. On voit bien que rien ne reste là de l'organicité antérieure. Fondée sur la désintrication du pouvoir, de la loi et du savoir, ce monde nouveau s'établit sur un plan d'horizontalité à partir duquel il reviendra à chacun désormais de pouvoir constituer à son gré les cadres de sa propre existence sans souci d'une morale objectivée. On voit bien, au total, que l'acteur politique n'est donc plus, au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, substantiellement différent de ses assujettis. Rien ne demeure alors, au moins dans la théorie politique, de la croyance dans un être dont la puissance, la volonté, la sagesse se déroberaient aux critères appliqués au simple mortel. Je voudrais ici une nouvelle fois citer Carl Schmitt, cette fois dans sa théorie de la Constitution, lorsqu'il oppose deux concepts de la représentation. D'un côté, dit-il, jusqu'à l'époque moderne, triomphait ce qu'il nomme « representation ». Representation où le gouvernement, placé en surplomb des hommes ordinaires, porte des valeurs substantielles, propres à exaucer la communauté politique. Et il oppose à ce concept de « representation » utilisé par les canonistes du Moyen-Âge, le concept moderne de Stellvertretung, Stellvertretung qui renvoie au contraire à une immanentisation du pouvoir plaçant le gouvernant dans un rapport d'identité avec ceux qu'il dirige. Le supérieur est aussi désormais le semblable de ceux qu'il s'assujettit. Alors une question se pose, à la théorie comme à la pratique politique. Comment articuler similitude et supériorité? Le fait que le prince n'est pas un autre que moi-même et que pourtant il me gouverne. Dans un premier temps de notre histoire, la réponse va être très claire. On fera prévaloir en Occident et en France tout particulièrement la supériorité sur la similitude. Ce que je voudrais exposer maintenant dans ce deuxième point, après avoir vu l'effacement des supériorités sacrales, je voudrais vous dire quelques mots de la consécration des autorités sociales. Alors d'emblée, ce régime de l'égalité qui fait du pouvoir un lieu vide nous confronte à une difficulté. Peut-on confier à tous, de manière indifférenciée, la charge de gérer la société? Alors nous avons dans la tradition occidentale déjà cet élément de démocratie directe qui s'exprime en particulier à travers la veine républicaine, portée, par exemple, au XVIIe siècle, par un auteur comme Harrington dans Oceana. Cette idée que nous sommes tous, les uns et les autres, capables
de porter par nous-mêmes notre propre destin politique. Ce n'est pas cette idée-là qui va triompher. D'ailleurs, le moment républicain de notre théorie politique va bientôt s'effacer. Ce moment républicain va bientôt s'effacer pour laisser place à une théorie libérale de la représentation qui s'affirme, du reste, comme le dit Jefferson, comme démocratie véritable régie par une élite de la compétence contre la voix des plébéiens qui voudraient l'emporter. Alors la représentation moderne repose d'abord sur une exclusion pratique du peuple. Paradoxe, on place le peuple théoriquement au principe du pouvoir et à peine a-t-on produit ce coup de force symbolique qu'on l'écarte dans la pratique des choses, de la décision. Comment le mettre à part du cercle de la décision? En lui opposant un double obstacle. Le premier obstacle, c'est qu'on instaure en Occident, et en France tout particulièrement, la procédure de l'élection. Alors on pourrait dire, mais cela est très curieux, l'élection est le principe même de la démocratie. En fait, non, nullement dans la théorie politique. S'opposent au XVIIe, XVIIIe siècle deux voies. La voie du tirage au sort que défendent les disciples d'Harrington que j'évoquais à l'instant et qui, suivant une idée déjà développée par Aristote, estiment que le tirage au sort est finalement le seul régime démocratique qui vaille. Ce n'est pas ce tirage au sort que nous allons choisir. C'est au contraire la procédure de l'élection parce que nous y voyons le moment et le moyen de sélectionner ceux qui, parmi nous, du fait de leurs ressources, sont les plus compétents. L'élection est choisie parce qu'elle est précisément une procédure aristocratique. Et on le voit bien dans les débats qui animent en particulier la Révolution américaine à la fin du XVIIIe siècle. On écarte donc la possibilité du tirage au sort et c'est un premier moment, un premier moyen d'écarter le peuple de la prise pratique de décision. S'ajoute à cela, parce qu'il faut être très prudent, même lorsqu'on accorde le droit de suffrage au peuple gouverné, la procédure censitaire qui demeurera en France pour ce qui concerne les hommes jusqu'aux années 1840 et bien plus tardivement pour ce qui concerne d'autres pays. Je pense en particulier à l'Allemagne ou à certains pays même de l'Europe du Nord. Alors cela n'est pas sans effet. Le fait d'affirmer le sens nous conduit à réduire considérablement le corps électoral. J'ai relevé pour cette intervention qu'aux élections législatives de 1846 en France, on est au moment de la monarchie de Juillet, au milieu du XIXe siècle, avant qu'apparaisse le suffrage universel masculin, aux élections législatives de 1846, le corps électoral n'est constitué que d'1% de la population globale. Les circonscriptions électorales qui servent de base à un scrutin uninominal ne comptent pas plus de 600 inscrits. Et 84% des députés sont alors élus avec moins de 400 voix. Paradoxe d'une situation où le peuple est censé être souverain et où tout est fait par le vote. À quoi s'ajoute le sens ? Tout est fait pour l'écarter de la décision pratique. Alors, il faudrait avoir le temps, évidemment, de décrire le système des justifications de cette exclusion du peuple concret. On le trouverait en particulier dans la philosophie politique d'un Guizot qui associe le sens à l'idéal de la raison qui permet aux gouvernants d'éviter les ornières de ces décisions insensées qui viendraient remettre en cause l'ordre social. C'est donc un premier élément. L'exclusion pratique du peuple. À quoi s'ajoute dans ce modèle-là, à quoi s'ajoute la consécration du notable, qui apparaît au XIXe siècle comme étant l'instance même à partir duquel va se construire la société politique. Alors, qu'est-ce qui caractérise le notable ? Que l'époque suivante va venir tendanciellement remettre en cause. Ce qui caractérise le notable, c'est la conjonction de deux propriétés. Distingue d'abord le notable à prééminence sociale. Il n'est pas semblable, en fait, au peuple dont il est censé porter les intérêts. Il n'est pas semblable du point de vue social,
Je ne parle pas ici de sa dimension substantielle, rejetée par la révolution moderne. L'étude de la composition des parlements européens montre clairement l'incidence du dispositif censitaire. Alors bien sûr, au XIXe siècle, il y a des différences entre les États. Si on prend un pays comme la Prusse, on s'aperçoit que l'élection porte à la Chambre souvent des hauts commis de l'État, qui disposent de surcroît d'une propriété foncière. Pour ce qui concerne la France, il s'agit plutôt des représentants des intérêts commerciaux, bien que ne disparaissent nullement les élites traditionnelles du bloc agraire lié au légitimisme. Mais toujours, en tout cas, le vote, André Siegfried le note très bien, constate l'évidence d'une supériorité statutaire éprouvée comme telle dans la circonscription électorale. D'ailleurs, le plus souvent, le notable n'a pas de concurrence localement. Je reprends mes élections de 1846 en France. Plus de la moitié des députés sont élus au premier tour, sans même affronter d'opposants. On voit bien que le territoire secrète son élite et que le vote n'est là que pour consacrer une évidence sociale, non point pour mettre en évidence un débat public marqué par le conflit des options. Les campagnes électorales traduisent parfaitement cette absorption du politique dans la matière sociale. Le candidat n'évoque jamais, pratiquement, les enjeux directement politiques. Dans ce 19e siècle français, le notable préfère rappeler son enracinement local, la notoriété de sa famille, et contre l'assurance du vote, promettre à ses électeurs une allocation de biens matériels ou symboliques quand il aura été élu. Il faut lire de ce point de vue la correspondance d'Alexis de Tocqueville quand il se présente à la députation dans le département de la Manche. On voit bien que tout cet apparat notabiliaire se retrouve dans sa propre expérience. Le notable se distingue donc par sa prééminence sociale, il se distingue aussi par son indépendance politique. À la Chambre, où se détermine en partie la politique de la nation, il laisse parler sa conscience. Nulle structure ne vient le diriger. Et souvent d'ailleurs, il change d'opinion au gré des échanges d'arguments. Nous sommes là dans le Parlement de l'éloquence. Cette autonomie procède de l'organisation même de la vie parlementaire. Tout au long du XIXe siècle, le député ne tient pas son statut d'un parti politique qui lui imposerait ses choix. C'est à lui seul qu'il doit et son élection et ses revenus. Au fond, Max Weber est bon juge et qui estime que le parlementaire, dans ce temps-là, en France comme ailleurs, ne vit pas de la politique. Il ne s'y consacre qu'à un titre purement secondaire, c'est Max Weber qui le dit, en appui d'abord sur les ressources sociales que lui donne sa position dans sa circonscription électorale. Alors ce modèle va bientôt s'éroder. Il va bientôt s'éroder en France à la fin du XIXe siècle. Et l'on voit alors que les choses évoluent considérablement sous l'effet d'un double processus cumulé. Sous l'effet d'une part de la démocratisation, de l'irruption du suffrage universel, Maurice Agulon l'a parfaitement montré, qui induit une politisation, une décommunautarisation de l'épisode électoral en contraignant les candidats à faire campagne sur des enjeux nationaux désormais conflictuels, à construire des programmes politiques, à entretenir même des agents électoraux. S'ajoute à ce processus de démocratisation un processus de nationalisation. Nous vivions jusqu'à la fin du XIXe siècle dans un système d'interdépendance courte. À partir de la fin du XIXe siècle, les enjeux politiques se nationalise sous l'effet d'un certain nombre de vecteurs du changement, parmi lesquels l'accélération des migrations, la réinstallation de la conscription militaire ou la diffusion des journaux. Bref, un monde s'efface. Un monde s'efface qui est celui du principe de hiérarchie, laissant place désormais, ce sera l'objet de ma deuxième partie, à l'expansion du principe de similitude, ce que je voudrais essayer de développer maintenant. Expansion du principe de similitude dont on voit les premiers traits au tournant du XIXe et du XXe siècle. Le jeu politique se reconfigure alors
autour des formations partisanes, autour des partis politiques. Et la représentation s'inscrit dans cette nouvelle configuration marquée par l'émergence et la cristallisation des formes partisanes totalement nouvelles dans notre horizon représentatif. Dans son livre pionnier, La démocratie et les partis politiques, Ostrogorski a parfaitement résumé le point. Il dit « Les partis politiques qui apparaissent à la fin du XIXe siècle, il écrit son ouvrage au début du XXe, les partis politiques ont pour fonction d'amener la foule des hommes proclamés arbitres de leur destinée politique à remplir leur fonction de souverain. » Vous voyez que le parti politique ne correspond pas simplement à une exigence matérielle. Il s'inscrit aussi dans une philosophie de l'émancipation démocratique. Si l'on invente le parti politique, c'est pour donner au peuple la possibilité de s'extraire de la sphère de l'engeance notabilière pour affirmer de nouveau, conformément aux principes de la démocratie, sa propre souveraineté politique. Très vite, cependant, l'intention se heurte à la réalité. Alors même qu'ils ont été institués pour accompagner la dynamique de l'égalité, on voit les partis se retourner contre le principe égalitaire dont ils dépendent, en se soumettant de rechef à la loi d'airain de l'oligarchie, ce qui va appeler le système à se reconfigurer. Alors, je voudrais évoquer ces deux points. Tout d'abord, l'enracinement de la démocratie des partis, et puis ensuite la reconfiguration de la démocratie des partis qui nous introduira à des thèmes que Michel Wieworka vient à l'instant de proposer. Alors commençons par l'enracinement de la démocratie des partis. Je vais être assez rapide sur ce point en vous disant que les formations partisanes imposent un nouveau régime de conquête et d'exercice du pouvoir, tout entier agencé autour d'un processus de dénotabilisation des rôles politiques. Alors on peut le voir tout d'abord au niveau de la conquête des charges, au niveau de la conquête du pouvoir. L'accès aux postes politiques procédait dans le système notabiliaire au XIXe siècle et encore un peu au début du XXe des seules ressources sociales du candidat. L'entrée dans l'ère de la démocratie de parti, dans l'ère de la démocratie partisane, elle-même liée à la reconnaissance du suffrage universel, modifie le dispositif. Modifier le dispositif à deux niveaux. Tout d'abord, au niveau des conditions de la candidature. À droite et au centre, en France en tout cas, on se passera encore quelque temps de la labellisation partisane. On voit que la droite et le centre prennent des appellations partisanes, en gros dans les années 1920. Pour la gauche, ça arrive bien plus tôt. Ça arrive au tournant du 19e et du 20e siècle, et l'on voit alors que les partis politiques jouent un rôle tout à fait décisif dans la présentation des candidats. Il est très difficile d'être un candidat à gauche, et encore plus d'être élu à gauche, sans avoir reçu le label d'un parti politique pour des raisons sur lesquelles nous pourrons revenir. C'est donc un premier élément qui contribue à la dénotabilisation du jeu représentatif. Cette idée que le parti porte en effet, à un moment donné de son histoire, les candidatures recevables par l'électorat. S'ajoute à cela les conditions de la campagne. Les conditions de la campagne changent. Le régime notabiliaire dépolitisait ce moment. On se satisfaisait alors d'un échange purement social. Le notable fournissait, contre la promesse du vote, sa capacité d'intervention. Ici encore, Tocqueville nous donne un témoignage tout à fait essentiel. Avec l'entrée dans la démocratie de parti, le vote s'inscrit désormais dans un registre d'énonciation nationale. À mesure que la vie sociale se désenclave, la parole des candidats aux fonctions parlementaires se reconstitue autour de clivages expressément politiques. Stein Rokkan, le politiste norvégien, nous a permis de décrire la typologie de ces grands conflits, conflits entre les cléricaux et les anticléricaux, conflits entre le centre et la périphérie, entre les ruraux et les urbains, entre les bourgeois et les ouvriers. On en retrouve la déclinaison dans tous les pays européens et en particulier dans la société française. Dans leur diversité, ces positions se trouvent consignées dans un instrument neuf de persuasion qui est la profession de foi.
la profession de foi qui apparaît avec une loi tout à fait significative de 1886 en France, qui est la loi Barodet, qui fait obligation désormais à tous les candidats de présenter un programme électoral, un programme politique en bonne et due forme. On a oublié ce point, mais il est tout à fait essentiel pour montrer qu'on est confronté ici à un processus de dénotabilisation de la profession politique et d'affirmation, au contraire, de sa démocratisation. Alors, cela vaut pour la conquête des charges, cette influence des partis, cela vaut aussi pour l'exercice des charges. Je vous disais tout à l'heure que le notable se caractérisait par son indépendance politique. Dans ce parlement de l'éloquence, le notable s'appuyait simplement sur sa propre conscience. À partir des années 1900-1910, on voit bien que s'impose, au sein même des enceintes parlementaires, en particulier en France, une partisanisation de l'activité politique. Élus, les hommes, les acteurs politiques, sont amenés de plus en plus nettement, à mesure qu'on avance dans le XXe siècle, à conformer leur vote aux positions de leur mouvement d'affiliation. Cela est inscrit dans la logique partisane elle-même, mais elle trouve une sorte de point d'aboutissement dans la création des groupes parlementaires au début du XXe siècle, qui imposent à leurs membres de voter conformément à ce que désire le groupe. Là encore, la gauche est en avance sur la droite sur ce processus qui va bientôt toucher les élus conservateurs également. Alors, on pourrait, si vous voulez, terminer sur ce point en disant que cette première étape de la démocratie partisane marque l'ancrage de notre démocratie dans l'éthos égalitaire. D'une part, la classe politique connaît, dès le tournant du XIXe et du XXe siècle, une mutation sociale. Elle s'ouvre, du fait de la logique même du suffrage universel, aux représentants des classes moyennes, les classes nouvelles dont parlait Gambetta, que l'époque censitaire ne connaissait pas. On voit apparaître des médecins, des journalistes, des avocats, des vétérinaires, des professeurs. La montée en puissance des partis socialistes et communistes va même favoriser une certaine ouverture aux catégories populaires. C'est un premier élément de la démocratie partisane et on voit que le pari d'Ostrogorski se trouve ici confirmé. Élargissement du champ de recrutement des élites, dénotabilisation de la société politique française. Et s'ajoute à cela cette idée que l'acteur politique, de plus en plus professionnalisé, se voit contraint désormais par le contrat électoral qu'il passe avec ses votants. Il est placé en relation immédiate avec le peuple auquel il fait promesse d'accomplir un programme. C'est l'institution partisane qui est la garantie de ce pacte électoral. Alors le problème, c'est que cette démocratie partisane va bientôt connaître une dérive oligarchique et qui va appeler à sa reconfiguration. C'est le dernier point que je voudrais tenter d'exposer dans le cadre de cette intervention. Alors, on défend souvent l'idée que la démocratie partisane aurait disparu. Et Bernard Manin, par exemple, a parlé, pour évoquer la situation actuelle, d'une démocratie d'opinion ou d'une démocratie du public. Je crois qu'il ne faut pas aller aussi loin que cela. Et l'on voit bien que les partis politiques, dans une société comme la société française, maintiennent encore une fonction extrêmement forte dans l'organisation de la délibération collective. Ce sont des foyers de structuration de l'opinion publique, c'est par rapport aux partis politiques que les choix s'opèrent, et ils constituent d'autre part des structures d'encadrement de la classe politique. Jusque dans les années 1930, il était possible, en France en tout cas, et à droite, d'être élu sans l'appui préalable d'un parti. Ce serait tout à fait impossible aujourd'hui. Il reste que cette démocratie des partis fait aujourd'hui, en France, l'objet d'une critique qui a contribué à sa recomposition relative. Alors commençons, si vous voulez, par évoquer très rapidement la contestation de cette démocratie des partis. Il y a, dans l'idée même de représentation, un motif d'insatisfaction. Au fond, l'absent, celui qu'on dit souverain, le peuple, ne se satisfait jamais de la présence que lui donnent ses représentants. Mais il est des conjonctures où cette insatisfaction consubstantielle à la représentation
apparaît comme étant plus patente. C'est le cas dans les années 1930, crise de la représentation. C'est le cas aujourd'hui dans la société française. Les indices le montrent très clairement. On le voit au niveau des perceptions. Lorsqu'on étudie les enquêtes sur les valeurs, on voit bien que la société française, aujourd'hui, considère que les acteurs politiques sont incapables de répondre aux demandes de leurs mandants. Et pour ce qui concerne les pays du sud de l'Europe, c'est moins vrai dans le nord. Les choses vont très loin dans le sens de la critique en estimant que la classe politique est une classe de corrompus. S'ajoute à cela, comme indice précisément de la défiance que le peuple souverain éprouve à l'égard de ses mandants, de ses mandataires, quelque chose dans l'ordre des pratiques. Et l'on voit bien que l'on assiste dans les sociétés occidentales, et en particulier dans la société française, à une diminution du militantisme partisan, à une accentuation de la volatilité électorale, à un développement de l'abstentionnisme électoral. Alors, s'agit-il d'un repli sur la sphère privée ? En partie, sûrement. Mais aussi, il s'agit d'un vaste mouvement de contre-démocratie fondé sur des manifestations protestataires. Des manifestations protestataires qui prennent deux figures aujourd'hui. Une figure qui est une figure populiste et une autre figure qui est une figure spontanéiste. Je n'ai pas le temps de développer, mais je le ferai volontiers dans le cadre du débat, les différences qui peuvent exister entre ces deux figures de la contre-démocratie. Le spontanéisme d'un côté, le populisme de l'autre. Les raisons de la défiance sont claires. Michel évoquait tout à l'heure Ulrich Beck. Il les a parfaitement notées en disant que notre système de démocratie partisane est pris en défaut sur son impératif d'efficacité. L'idée précisément que, contrairement à ce qui se passait dans les années 1950-1960, les appareils d'État fondés sur un lien spécifique avec les partis, ces appareils d'État ne sont plus en mesure de répondre aux défis du temps, sont taxés par les populations mêmes d'une impotence matérielle et symbolique. Les instruments ordinaires du politique ne répondent plus aux défis du temps. Mais il y a un second élément important également, c'est que ce système-là, comme l'a très bien montré Axel Honneth, ce système partisan est aujourd'hui en situation d'écart, en situation de décalage avec les principes mêmes qui le fondent. Le principe de la démocratie partisane, c'est le principe de l'égalité, et l'on s'aperçoit que nos systèmes sont de plus en plus marqués par une corruption oligarchique. Je n'ai pas le temps de développer, on pourrait donner des chiffres en la matière, on s'apercevrait qu'en particulier les catégories moyennes et populaires ont très largement disparu des enceintes parlementaires de la société française. Alors tout cela s'inscrit dans un univers nouveau, marqué par ce que la science politique appelle la cartélisation des partis, qui est venue couper les organisations politiques partisanes des substrats sociaux qui, jusqu'alors, leur servaient de fondement. Alors tout cela, évidemment, se traduit par une recomposition du système de manière un peu homéostatique. On s'aperçoit que dans tous les pays occidentaux, mais en particulier en France, il y a cette volonté d'ouvrir la démocratie représentative à de nouveaux élus. Ouvrir la démocratie représentative à de nouveaux élus en insistant sur des transformations institutionnelles, comme la limitation du cumul des mandats, comme l'instillation de la parité sexuelle, comme l'instillation aussi de la représentation proportionnelle dans des systèmes de scrutin majoritaire. Autant d'éléments qui viennent recomposer ou essayer de recomposer ce que nos systèmes peuvent avoir de trop oligarchique. Et puis il y a un second élément, à côté de cette ouverture de la démocratie représentative aux nouveaux élus, ce sont aussi les nouvelles formes d'exercice du métier citoyen. On s'aperçoit qu'à la logique du peuple électeur s'ajoute désormais la logique d'un peuple surveillant, la logique d'un peuple veto, la logique d'un peuple juge qui permet à la fois sur le forum et dans les prétoires aux citoyens ordinaires de donner sa voix pour modifier ce que les élites représentatives voudraient lui imposer. Alors j'en ai terminé sur ce point. Je voudrais tout simplement conclure en vous disant, reprenant Agamben, que ce parcours nous confronte globalement à une forme de profanation du politique, au sens que Giorgio Agamben donne à l'expression.
la frontière entre le clair et le profane, qu'a pérennisé en régime de modernité la représentation libérale, semble aujourd'hui plus poreuse, ou en tout cas plus discutée qu'hier. L'espace du sacré politique s'ouvre à ceux qui, hier, campaient encore à sa périphérie. C'est au fond un système du mixte auquel nous sommes confrontés. L'époque se spécifie, en dépit de ses imperfections, par une intrusion inédite du peuple réel, non sans effet performatif, dans les processus de production de la décision. Alors, il ne faut pas rester, je pense, sur ce constat, qui est un constat très optimiste, sur la définition de nos propres systèmes politiques. Il faudrait y ajouter, pour être un peu complet, deux critiques qui ont émergé récemment sur cette reconfiguration de la démocratie représentative. La première critique est due à des auteurs situés souvent à la gauche de la gauche. Je pense à Jacques Rancière dans son ouvrage « Au bord du politique ». Je pense aussi à Axel Honneth que j'évoquais tout à l'heure, visant à dire finalement que se maintiennent, malgré les reconfigurations de la démocratie représentative dont parlait Michel Vivorca, que j'ai esquissé aussi, que se maintiennent des distorsions lourdes aujourd'hui entre le principe fondateur de nos démocraties représentatives, le principe d'égalité, et la réalité oligarchique à laquelle nous sommes confrontés. Au fond, pour parler comme Rancière, cette nouvelle politique de la représentation ne remet pas en cause la police des comportements qui lui est souvent associée. Et puis il y a une deuxième critique très différente qui a pu être adressée aux reconfigurations contemporaines de la démocratie représentative. C'est la critique que lui a adressée récemment un auteur comme Pierre Rosanvallon, visant à dire qu'à travers ce rêve d'une démocratie par le bas, à travers ces conseils de quartier, à travers ces conférences de citoyens, s'exprime l'idée que le peuple est simplement un peuple de la surveillance, qui perd au fond sa capacité décisionnelle en oubliant que le politique, ce n'est pas seulement de l'horizontalité, mais aussi de la verticalité. C'est Hegel qui disait que la vérité gît souvent au sein de la puissance, voulant signifier par là qu'on ne peut pas simplement analyser une démocratie à partir des effets de participation qu'elle produirait, mais aussi à partir simplement de son efficacité. Je vous remercie.